est influencé par les personnes qui nous entourent et Coco n'est pas une exception. Je crois que Coco a voulu défier les stéréotypes féminines que sa sœur présente et la sœur de Coco a définitivement influencé la nature indépendante de Coco. T'as vu Coco ? Hey Coco ! Je pense que le film était extrêmement beau. Au commencement, l'éclairage était sombre, mais comme la situation de Coco développait, tout est devenu plus léger et plus beau. Les coutumes étaient importantes pour les films parce qu'ils ont montré l'évolution du Coco comme un artiste. J'ai pensé que la musique était très importante aussi, allant de plus sombre et bru à plus belle et sophistiquée comme le film a progressé. Emilienne est une personnage très extravagante et sans son aide, Coco aurait eu un temps beaucoup plus difficile à porter ses habillements de mode à haute couture. Elle n'a pas nécessairement influencé Coco, car Coco est très têtue et indépendante dès le début du film, mais elle a sûrement ouvert le rideau pour que Coco a la chance d'apporter son travail à haute couture. Je pense que la fin peut avoir été améliorée un peu. Cependant, je pense vraiment que la mort de Boy traumatisait extrêmement pour la Coco. Il était tout ce qu'elle avait. Cependant, je doute que sa transformation dans un concepteur incroyable soit aussi immédiate et définie qu'ils le montrent dans le film. Perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore tout près du... Sans la mort de Boy, je ne pense pas que Coco aurait été aussi nécessairement motivée à continuer son travail de mode. C'était lui qui l'a influencé à continuer ses travaux radicaux à la mode à d'autres coutures et il a ouvert l'idée de l'amour dans le cœur de Coco et cet amour est reflété dans ses travaux après qu'il est décédé. Perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore tout. Oui, je pense certainement ainsi. La plupart des personnes pensent seulement au Coco Chanel comme cette entier mystérieuse, célèbre, presque comme plus une mode ligne que même une personne réelle. Cependant, l'histoire derrière la personne réelle est extrêmement fascinante et montre beaucoup de l'inspiration pour la mode, la ligne est venue de comment le Coco était une femme avant qu'elle ne soit un concepteur célèbre. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Trocadéro.